Et salut les gens, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai encore joué à la boulette. Comme vous pouvez le remarquer, on s'est réveillé au pied d'une stèle et non pas dans le temple. Tout simplement parce que la dernière fois, vous avez dû voir au montage, je vous avais indiqué que je retournerais en off, pas dans la caverne de Dirgué. Donc le fameux Moldarkor, je suis pas allée dans sa caverne, mais enfin, si, j'y suis allée après. Bref, donc j'avais dit au montage, on va aller droit au but, que je retournerai dans l'accès à la caverne pour voir s'il n'y avait pas un truc à ramasser. Et effectivement, il y en avait un. Alors, je trouve mon chemin comme ça, je vous ferai mon petit speech en chemin, c'est par là. Donc effectivement, il y avait un truc à ramasser, qui n'était pas au sommet du rocher comme je l'avais supposé, mais coincé derrière, j'ai dû me glisser entre les rochers. C'était, franchement, je me suis demandé même si le jeu voulait pas que je glitch pour accéder à ce petit coin. Et donc j'ai ramassé le même petit truc brillant qu'on avait déjà trouvé dans l'accès à l'arène du lézard. Et l'autre que j'ai trouvé, c'était où? Ah ben c'était pendant le combat contre Dirgué, justement. Voilà. Alors je me suis renseignée sur ces fameux petits machins et apparemment c'était pas dans le jeu de base, c'est un ajout de la version PlayStation 4. Il y aurait pardon, je bafouille, il y en aurait 79 à trouver, des petits machins comme ça. Et a priori, à l'heure actuelle, non seulement personne n'a trouvé les 79, mais en plus on ne sait pas à quoi ça sert. Donc clairement je vais pas trouver les 79 hein, parce que ça sent le korogu. Voilà, Breath of the Wild, 900 petits korogus à trouver cachés un peu partout dans une map immense. Évidemment, j'en ai trouvé pas mal, je crois que j'avais trouvé la moitié, mais j'ai pas les 900 et je les aurais pas avant quelques années, voire même je les aurais jamais. Bref, donc j'ai fait ça en off, voilà, j'ai fait un peu de tourisme, j'ai eu un lézard aussi, je crois. Et j'ai pensé à enregistrer la vidéo. Et ensuite, au moment de copier la vidéo sur la clé USB pour l'exporter, tralala, je l'ai confondue avec une capture d'écran accidentelle et j'ai supprimé la vidéo. On applaudit le génie. Du coup, ah, je suis pas au bon endroit, voilà. Du coup, eh bien voilà, il n'y a pas eu l'intro habituelle, enfin. Je sais pas, je l'aurais peut-être récupéré sur la fin de la vidéo précédente, c'est pas impossible. Vous verrez bien. Mais du coup, vous avez loupé un petit peu tout ça, quoi. Et c'est dommage. Parce que je trouve que c'était intéressant, cette histoire de pièce. Est-ce que je lui ai arraché la queue ou quoi? Je crois pas l'avoir tué. Mais je lui ai peut-être arraché la queue. Allez, allez, allez. Il n'y a pas un fruit là? Non, j'ai cru voir un truc, mais c'est une feuille qui était colorée. Hop, on grimpe. Allez. Ah, je sais plus jouer. J'en perds mes boutons. Oui, alors j'ai pas dû lui arracher la queue parce que je crois que je l'avais eu plus bas, hein. Je sais plus déjà. J'étais en train de vous parler et du coup j'ai pas fait attention. On va le retrouver. Où c'est qu'il est? Oui, bah descendre de toute façon, c'est pas grave. Où est-ce qu'il est, le petit lézard? Je l'entends plus. Non, bah tant pis. Tant pis, tant pis. À moins qu'il apparaisse quand je décide de partir. On sait jamais. Ah, je viens de l'entendre. Il est là. Désolé, petit père, je vais te faire la peau. Où est-ce que tu es? Il est là-haut. Juste là. Ah, je l'ai eu là. Et voilà.
Voilà. Allez, c'est reparti. Je veux l'épée, merci. Et voir là s'il n'y a pas des fruits, quelque chose. Oui, il y en a. Ah oui, il y a un autre truc qui était sympa dans du coup la vidéo que vous verrez pas puisque je l'ai effacée. J'ai appris à faire des figures sur le cheval. Enfin, à faire une figure sur le cheval en fait, parce que je sais qu'il y en a d'autres, mais j'y arrive pas. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Je sais pas si c'est très utile, peut-être, mais en tout cas, c'est sympa. Il me semble qu'il y en avait d'autres. Ouais. Là-bas, il y en a un. Allez. Ouais. Et tant que j'y suis. Oh là là, il y en a pas mal. Alors, je suis allée voir sur un forum concernant ces pièces, les petites pièces en or, là, les 79. Apparemment, il y en aurait sur les lieux où on a abattu des colosses. Ben, je sais pas, parce que la dernière fois, quand j'ai fait mon farm, là, pendant 2 heures et demie, j'y suis allée. Je suis allée voir 2 ou 3 dépouilles de colosses, mais j'ai rien vu et je me souviens pas avoir entendu tinter. Donc, l'épée, 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 voilà. C'est par là. Alors, est-ce que je vais réussir à faire la figure? Ouais, regardez-moi ça, c'est pas la classe. Reste en haut. Et il va pas rester debout. Allez, ouais. C'est la classe, Wonder. Là en bas. Ouais, apparemment faut descendre par là. Au moins bonne nouvelle, c'est pas un combat à cheval. Par contre, je me souviens plus du tout de ce que Dormine nous avait dit sur ce colosse-là. Ça va être... Ah, oh, super! C'est pas un combat à cheval, c'est un combat aquatique. Oh, c'est pas vrai. Tu fais quoi, caméra, là? Par là, non? Ah, là-dedans. Ouais, c'est forcément là-dedans. Bon, donc j'écoute, hein. Si jamais j'entends tinter, on sait jamais. Je fais un petit tour là. Non. Ça m'intrigue cette lumière rouge là-haut. Ça doit être un feu, quelque chose comme ça.
pas un combat aquatique finalement du coup. Enfin j'espère. Ouais, il y a du feu. C'est accueillant, dites-moi. On va essayer de pas tomber. Ok. Oh bordel. Oh bordel. Ouais, bah oui, forcément. Relève-toi. Wonder. Coucou. Je vais en profiter pour... Il n'y a pas de soleil. On va profiter pour le regarder. Il agit un peu comme un chat ou comme un chien, non? Est-ce qu'il nous suit en bas? Est-ce qu'il va nous suivre? Il a pas l'air. Hein. D'ailleurs, il est pas très grand. On va y retourner. À moins que... Ah là là, cette histoire de soleil, c'est embêtant. On va y retourner, il a pas l'air de sortir. Oui, c'est un tout petit colosse. Alors, est-ce qu'il peut passer la crevasse? Oh oui, certainement, je pense qu'il est agile comme tout. Vu qu'il a tendance à charger, on va essayer de lui faire se prendre un mur. Cache-toi, cache-toi, vite, vite, vite. Oh là là, caméra. Non, ça le fait pas. Ça le fait pas. Il doit falloir lui faire tomber son armure déjà. Oui, il est cuirassé de partout. Alors, pour tomber son armure, comment on peut faire? On va aller explorer de l'autre côté. Voilà. Ah! Utiliser les flammes. Oui, mais comment? Relève-toi. Oui, mais comment? Utiliser les flammes. Est-ce que je peux monter au niveau des bras zéro? Le premier test. Bon, allez, on y va. Je peux pas grimper. Si, là. Là, je peux grimper, si. Voilà, s'il coule là-bas, là, je peux grimper. Ok. Et maintenant? Oh! Oui? Est-ce que je peux ramasser ce truc peut-être? Oui, je peux. Oh là là. Relève-toi. Relève-toi.
Je peux, mais je fais quoi? Ça n'a pas l'air de lui faire peur. Oh là là, il est rapide! Ok, je l'ai renflammé. Je peux peut-être le repousser dans la crevasse. Ou le faire, ou alors il faut le faire tomber de l'autre côté. On va essayer de l'autre côté plutôt. On va le faire sortir comme j'avais pensé le faire au début. Allez, allez mon gros. J'essaie de pas trop m'approcher parce que je pense qu'il peut me donner des coups de patte quand même. Voilà. Non, alors d'abord tu sautes, puis tu t'accroches. Voilà. Et pas le contraire. Hop. Super, t'es bien placé là, mon gros. Allez. Allez. Allez, sors. Ça y est. Oh, petit loup, va. J'aurais peut-être dû garder le Brandon. Ah zut! Est-ce que je peux essayer de m'accrocher sur lui? J'y arrive pas. Si, si! Ça y est, je suis dessus! Évident. Il bouge beaucoup. Et il remonte au temple. J'y arrive pas. J'ai pas le temps en fait. J'ai pas le temps, Wander est vraiment très lent à brandir son épée. Et dès que ça bouge un peu, il ne peut plus rien faire, donc j'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. J'ai presque plus d'endurance. Ouais. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Allez, Wander, s'il te plaît. Ah oui, il passe. Ah, là, c'est mort. Il va m'éjecter. Ah! Je l'ai eu! Oh, il prend cher, il prend cher.
Bon, eh bien, un petit colosse pour un petit combat, pour un petit épisode. Un petit combat, peut-être pas. Hein. C'était, franchement, c'était sympa. Je suis contente, pour une fois, j'ai pigé le truc assez vite. Et sur la fin, gros twist, finalement, on y est arrivé. C'était vraiment, vraiment, j'y croyais pas parce que pendant tout le rodéo où il remontait au temple, j'arrivais vraiment, vraiment pas à brandir l'épée et à lui asséner un coup. Apparemment, il fallait juste attendre qu'il soit de retour en haut parce qu'en haut, il était moins énervé. Je sais pas. En tout cas, ça l'a fait. Voilà. Par contre, ouais, pour un colosse, on était habitué à des géants. Il était vraiment tout petit, celui-là. Voilà. Et je pense que c'était un colosse gentil parce que le prochain nous vend du rêve. Qu'est-ce qu'il disait? Un paradis qui flotte sur le lac, un pont mouvant vers le ciel, un truc comme ça. Je pense que ça va être assez génial. Voilà. Bon, donc je vous laisse pour aujourd'hui. Puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!